Même un soir sans te voir, je me désole. Tu reviens et soudain plus de tristesse, car tu seul es passé d'une caresse. Si tu étais voilà, comment ici abri 13. Vous m'entendez? Ici abri 13. Est-ce que vous m'entendez? Ici abri 13. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un reçoit mon appel? Ici abri 13. Est-ce que quelqu'un reçoit mon appel? Ici abri 13. Est-ce que quelqu'un m'entend? Abri 13, est-ce que vous m'entendez? 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 Ici abri 13, est-ce que vous m'entendez? Abri 13, veuillez améliorer le son. Ici abri 13, est-ce que vous m'entendez? Ah voilà, vous m'entendez mieux? Abri 13. Oui, vous êtes où, abri 15? En France, et vous? Abri 15, vous... Vous êtes combien? Ça fait combien de temps que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes seul? On n'est plus très nombreux chez nous. Et de votre côté, abri 13? Moi, je suis la seule à avoir réussi à me mettre à l'abri. Seule? Depuis autant de temps? Oui, je... Vous êtes la seule à avoir eu le temps de m'isoler. Ça fait du bien de vous entendre, abri 15. Je vous comprends, abri 13. Écoutez, c'est ridicule de s'appeler par des numéros d'abri. Appelez-moi Jean. Moi, c'est Marie. Jean, pourquoi vous m'avez pas appelé avant? On vous entendait, Marie. Mais notre émetteur avait été détruit dans les émeutes. On vient juste de finir de le réparer. Et pas forcément au meilleur moment. Comment ça, pas au meilleur moment? Écoutez, d'après les infos que je viens de récupérer,
Je ne sais pas comment vous le dire. Quoi ? Dire quoi ? Il semble que le projet Ragnarok ait été lancé. Quoi ? Ragnarok est un vieux projet militaire russe. Il s'agit de missiles nucléaires visant les bunkers des survivants un peu partout dans le monde. Et ils viennent d'être lancés. Mais pourquoi nos bunkers ? Pour faire place nette, nettoyer tout. Enlever toute menace de mutation avec les radiations. Mais les bunkers sont justement capables de résister à une frappe nucléaire, non ? Oui, ils sont censés protéger des radiations, mais pas d'un tir direct d'un missile, malheureusement. Mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! Marie, les missiles sont partis. Il nous reste une dizaine de minutes à vivre, au mieux. Attendez. Et si on sortait de nos abris pour s'éloigner le plus vite possible, hein ? C'est ce que beaucoup ont fait chez nous, mais ils sont condamnés. On ne s'éloignera jamais suffisamment. Et si jamais par miracle on y arrivait, les radiations nous achèveraient. Mais qu'est-ce qui nous dit que les missiles vont toucher leur cible ? Peut-être qu'ils vont tomber à côté, ou peut-être qu'ils vont pas tous fonctionner. Ou on pourrait descendre tout au fond, et peut-être que le bunker résisterait. Ou je sais pas, il y a bien une solution, merde, il faut trouver quelque chose. Marie, vous êtes où en France ? Paris ? Oui, pourquoi ? Parce que les missiles visent en priorité les capitales. Nos chances de survie sont extrêmement faibles. Nos chances de survie ? Donc on peut quand même survivre ? Je n'en sais rien. Ça reste très peu probable. Non, je veux pas baisser les bras, je refuse. Ça ne sert à rien, Marie. Mais comment vous pouvez accepter ça ? Comme ça, comment vous pouvez attendre votre mort ? Parce qu'on ne peut rien y faire, tout simplement. Mais si, vous pouvez, Jean. Vous pouvez faire quelque chose ! Mais ça ne sert à rien, Marie. Les autres bunkers ont été entièrement rasés. Ils n'ont laissé aucun survivant. Il y a 10 minutes, j'étais prête à en finir et vous me contactez pour m'annoncer ça. Vous vouliez en finir ? Mais pour quelle raison ? La solitude, l'isolement, la fatigue, vous en voulez des raisons ? Non, je suis désolé, mais si jamais on survit... Quoi si on survit ? Vous voulez qu'on aille boire un café, c'est ça ? Mais vous le dites vous-même, on va tous y passer. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Si on survit, on peut essayer de vous envoyer du secours. Mais je ne connais pas votre position exacte. Marie, on ne sait jamais. Donnez-moi vos coordonnées. -48 degrés, 51 minutes, 46 secondes nord, 2 degrés, 21 minutes, 2 secondes est. Enfin ! Quoi ? J'avais besoin de votre localisation. Maintenant que je l'ai, les missiles vont vraiment pouvoir partir. Marie, nous sommes déjà plusieurs survivants dans mon abri. Nous avons des vivres et une banque génétique. Nos ordres sont de finir le travail. Vous êtes malade, mais pourquoi vous faites ça ? Vous devez sûrement être irradié, vous mais aussi. Non, mais non, je suis pas irradié, vous pouvez pas faire ça. Ce sont les ordres, Marie. Mais quoi ? Il vous reste 10 minutes à vivre à partir de maintenant. Au revoir, Marie. Je t'emmerde, connard ! Je t'emmerde, tu m'entends ?